Yo, moi je suis venu faire une vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que je suis végétarien. Dans le fond, quand tu te réveilles sur le monde qui t'entoure, t'as comme pas le choix de devenir végétarien parce que t'as compris, tu sais. T'as compris que le complot va jusque dans l'alimentation, ça on s'en cache pas, tu sais. Tout le monde le sait que tout donne le cancer dans l'alimentation, mais c'est là que tu comprends que c'est voulu. Là, je suis pas en train de dire que la viande donne le cancer, c'est juste que l'être humain, lui, émet des vibrations, ok? Puis le but pour un être humain, pour se rapprocher du Créateur, c'est d'être le plus haut possible dans les vibrations. Sauf que, vu que les vibrations, pour faire baisser les vibrations, l'élite s'en prend de plusieurs façons, dont les cellulaires, toutes les ondes Wi-Fi, tout ça fait baisser les vibrations. Les chemtrails, ça, les chemtrails, c'est les. Vous regarderez les avions, là, des fois. Passe dans le ciel, puis là, il balance des produits chimiques, des chemtrails, ça fait baisser les vibrations. Il y a plein d'affaires en un qui font baisser les vibrations, dont l'alimentation. Puis, qu'est-ce qui arrive avec la viande? C'est que, un animal qui passe sa vie en cage, ok, à souffrir, puis à, t'sais, à pas être heureux, puis tout ça, ben, une fois que tu le manges, t'absorbes cette énergie-là, tu comprends? T'absorbes l'énergie de mort, de désespoir, de torture, tout ça. C'est pas pour rien aussi que les filles qui se maquillent, là, ils ont ça des pets d'animaux morts dans la face. C'est tout, ok? T'sais, les autres sont morts de rire là, au bord là, de voir que tout le monde fait ça. Puis ça a été dur là, d'arrêter de manger de la viande. Parce que moi j'étais un carnivore avant. Là. N'importe qui me connaît, savait que quand je serais au Burger King, quelqu'un qui me commandait un veggie burger, là c'était le bout de la merde. Là, je devenais cinglé, là. Je la regardais, là, je le méprisais du regard. OK? Je haïssais les végétariens. OK? Puis je disais même, quand tu manges végétarien, comme ça, là, puis je me trouvais bien drôle. Sauf qu'une fois que tu te réveilles, t'as pas le choix de devenir végé. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les histoires de vibration, c'est vrai. Puis, dans le fond, un légume, OK? Un légume cru a plus des bonnes vibrations. Un légume cuit. Puis ça, c'est des scientifiques qui se sont penchés sur la question, puis tout ça. Puis ils ont examiné ça. Puis là, il y a du monde des fois qui me disent: ben oui, mais Matt, l'humain a toujours mangé de la viande. L'humain a toujours mangé de la viande. Tu sais, dans le temps là, que les hommes de caverne chassaient. Et puis là, c'est là que je les reprends, puis je leur dis: oui, ok. Si l'homme de caverne chassait, on apprend qu'avant qu'il commence à chasser, il se nourrissait que d'agriculture et de cueillette. Ben, de cueillette, dans le fond. Il se nourrissait que de cueillette avant d'être capable de chasser, si c'est vrai. Ce qui veut dire que l'être humain, au départ, est pas supposé être carnivore. Parce qu'il a réussi à survivre pendant des millions d'années, ok, si on se fie à la théorie de l'évolution. Il a réussi, parce que moi, je crois plus à ça. En tout cas, si on se fie à votre théorie de l'évolution, là, que tout le monde est d'accord sur, là, ben, l'être humain, ok, il aurait passé des millions d'années, ok, à pas manger de viande. À juste manger de la cueillette parce qu'il était pas capable de chasser. Tu vois? Fait que l'être humain est pas fait pour manger de la viande. Moi, c'était un de mes amis qui m'avait dit ça avant. Puis je riais de lui, je laissais tomber. Il est tombé sur la tête, lui. Est-ce qu'il y a encore lui? Il a lu de quoi d'un gourou sur internet, puis il avait le cerveau, puis c'est rendu qu'il est végé. Moi, il est végé, tabarnak. Moi, c'est sûr que tu me voyais pas végé, si je voyais quelqu'un qui mangeait végé, si je devenais cinglé. Mais quand tu te réveilles, ben, t'as pas le choix. Moi, j'ai changé du tout au tout, là. Mon ancien surnom, c'était Boss Boy. Maintenant, je suis à jeun, ok? Je prends même pas de bière, je prends même pas de pot, je fume plus de cigarettes. Ça fait des années que je fume plus de cigarettes. Je bois quasiment juste de l'eau. Je suis végétarien, écoute. Tu sais, moi, je suis plus reconnaissable, là. Le flat earth, là, ça a changé ma vie, puis ça change la vie de tout le monde qui tombe dessus, parce que c'est là que tu te rends compte que t'es pas insignifiant.